À la veille du 61e anniversaire de l'indépendance de son pays célébré samedi, le président ivoirien a choisi de jouer la carte de la décrispation du climat politique. Alassane Ouattara a accordé la grâce à 9 personnes arrêtées lors des violences électorales de 2020, alors que 69 autres ont bénéficié de la mise en liberté provisoire. Figure aussi parmi les bénéficiaires de ce geste des personnes emprisonnées après la crise de 2010-2011. Le président ivoirien promet d'étendre la mesure à d'autres détenus. Il répond ainsi aux demandes formulées par ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. La Côte d'Ivoire tente donc de renaître de ses cendres après ses périodes sombres dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui a coûté la vie à environ 3 000 personnes. Il s'agit aussi de...